on y est. On y est. Le Grand Prix de France de Formule 1 au circuit Paul Ricard dans le Var. C'est pour l'event de la Gotaga Shift Race. On va assister au Grand Prix de Formule 1. Tous ceux qui se sont qualifiés pour la Gotaga Shift Race vont assister au Grand Prix. On est sur un rooftop pour suivre le Grand Prix. La ligne de départ est juste là. Et surtout après, réaction à chaud dans un cadre exceptionnel. On me l'a promis, on va le faire. C'est bon, c'est fini. Regardez où je me trouve. La position où je me trouve est aussi folle que la sensation que j'ai eue de regarder ce Grand Prix. On était sur le rooftop, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc j'avais vision sur la ligne droite de départ. J'avais aussi la vision sur la chicane nord, là où il y a eu le dépassement de Verstappen pour gagner ce Grand Prix. C'était dingue, les clameurs de la foule, parce qu'il y avait de la foule. C'est incroyable, c'est incroyable. Je vous disais que j'étais venu avec des copains. On est avec Romain, ouais. Le bouseux. Trop content d'être là. Une expérience de dingue. Je me suis assis, il y avait la clim, tout ça. Un écran sur le côté droit pour suivre le Grand Prix et les voitures qui passaient devant moi, en direct. On est dans le stand du vainqueur du Grand Prix de France ce week-end. On est dans le stand de Max Verstappen. On peut même voir, regarde, le 33 de Max. Il était là, Max. Max, il était là. Nous, on va se faire une petite course de karting avec les All-Stars. On va jouer aussi avec les All-Stars. Et il y aura la finale de la Gotaga Shift Race avec un setup exceptionnel. Ce sera en live sur Twitch. Ok, c'est parti pour le karting. On va leur montrer comment ça se passe sur la piste. On va faire du karting. Alors là, c'est écrit M comme masterclass. Il fait chaud, il fait super chaud. Vous voyez, on est toujours au Castellet, mais là, on est sur la piste de kart. Là, on va tous s'affronter sur notre mini Grand Prix à nous, karting. L'arche Red Bull qui est là-bas, magnifique. On est parti. Donc là, on va aller chercher le kart, on va le choisir. On ne peut pas savoir s'il y a vraiment un bon kart ou pas parce qu'on est sur du 4 temps. Donc c'est quelque chose qui n'accélère pas très fort. Mais si tu as un kart qui est un petit peu mieux réglé que les autres, eh ben ça fait une excuse si tu perds. C'est ça qui est bien. On va essayer d'aller choper le 23. Oh ! Ou alors, attends. Si on pouvait tricher un petit peu, on prendrait alors soit un KZ, hein, comme vous le voyez là. Ça, c'est à vitesse, ça va très très vite. Et sinon, ouais, des petites tentes comme ça, là. Carte nationale, 27 chevaux, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là, on peut vraiment tricher. Bah, il est technique le circuit, hein. il est technique, hein. ça glisse beaucoup. Vous n'avez pas suivi, si je suis dernier, c'est que j'ai fait le meilleur tour au niveau du training. Donc j'ai des gros espoirs dans cette course. Objectif le podium, après si on peut aller la première place, je m'en priverai pas.
Bordel, je suis mauvais. Mais je prends des sensations. Non, il m'a montré des cuts, j'ai jamais vu ça. Il cut tout. C'est une tondeuse. Oh, c'est mec, j'essaie de te suivre tout le temps, mec. Mais toi, tu bombardes, hein. Tu bombardes, mec. Ah, c'est toi derrière, non? Quand tu m'as dépassé, moi, je t'ai vu passer. Là. Ouais, non, non, non. Je suis obligé de le pousser pour qu'on puisse rattraper les autres. Sinon, c'est pas possible. Ah non, là, les grottes, là. C'est dur. Là, on perd tout le temps. Je suis ça comme. J'essaie de me cacher derrière mon volant. Les plus vite, quoi. T'es à fond, t'es en mode. Toi, il avait complètement abandonné la fois. Après, les 4 en face de moi, ils étaient vraiment trop bons, c'était impossible de les rattraper. Donc on avait vraiment une bataille P4, P5. J'en ai bien sorti, écoute, ça fait plaisir. Hein. Là, c'est de la tondeuse. Tu fais une ligne droite. Ouais, normalement, c'est un virage. Sauf que toi, t'as une droite et commence ici. Ça fait ça. Bah, t'as tout compris. Nous, on fait ça. Toi, tu fais ça. Donc ça, je te l'ai repris, j'avoue qu'après, je le mettais. Ah, Doc, cette sortie de route, là. Ah non, ça c'était pour les photographes, hein, c'est pour le public, tu vois, je dis pas que à la base je suis là pour vous divertir. Alors, petite réaction à chaud, je me suis beaucoup amusé avec Gotaga et avec Prime. Très marrant, ils ont trouvé des raccourcis que je ne pensais pas possibles, mais c'était vraiment très très fun, il y avait du respect, c'était pas dangereux, donc c'était vraiment une très 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 belle saison, double course. Lui, il m'a vendu du rêve. Trop fair play. À un moment donné, il y a un carambolage, il m'a dit, vas-y, passe. Oui, bah oui, je t'avais touché, c'était plus... Je crois que t'avais me tuer. Non, quand même pas. Et nous, on s'est tapé de très très belles bagarres. Ouais, c'était magnifique. J'ai kiffé. Au début, je t'ai laissé. Comme ça, je sais, je vois tes trajectoires et tout, parce que je savais que t'étais chaud. Mais gros, j'ai eu de la chance qu'il a un problème à la cheville. Je sais pas si tu leur as dit, moi je leur dis. Je savais qu'il avait mal, donc je mettais des gros coups de carte. Après, moi, je pense que j'ai des dons de pilote. J'espère que ma confiance va rester intacte. Est-ce qu'on est là pour le fun? C'est que la win, jamais de fun. Let's go! Moi je prenais là, je prenais bien à l'extérieur là. Ici là, et ensuite là, je suis rentré bien comme ça pour arriver là. Et là, là je gagne un peu de temps. Je gagne du temps. Tu t'es bien débrouillé au karting? Ça allait, ouais. J'étais un petit peu brusque quand même, mais plutôt pas mal, ouais. Qui est-ce qui a gagné? Xari. Le fast? Le fast. Ça du podium! Des impressions sur le kart? En vrai, c'était bien marrant, c'est bien tapé la bourre là avec Bouzy, avec des Pielos. Julien Febro qui a mis quelques coups de coude, on va pas se mentir. Alors, en vrai, j'ai profité un peu du trafic parce qu'il genre des Pielos, il m'a mis quelques centièmes quand même en meilleur tour, mais au final j'ai gagné, donc c'est ce qui compte quoi. La constance, c'est le maître mot. Ouais, c'est ça, le métronome. Je prends les 25 points et des Pielos, il a le point du meilleur tour quoi. Bon. Tu m'as bien, ça serait n'importe qui, j'aurais pas fait. Là, j'étais en train de dire, nous, faut que j'y fasse une tondeuse. Faut que j'y fasse une tondeuse. On va chercher des cuts de qualité. À la 6ème place, Yann. Ouais, Gotaga Shift Race. On est là pour ça. On est là pour ça. Les meilleurs joueurs amateurs se sont affrontés sur ce tournoi pendant des semaines pour arriver la finalité ici au circuit Paul Ricard, le circuit qui a accueilli le Grand Prix de France ce week-end. On est là pour ça. Il y a une installation de fou, aussi bien la régie, aussi bien à l'antenne, ça va être fou. On va aller regarder ça. C'est impressionnant. Regarde là, c'est ce que vous ne verrez pas pendant le live, c'est toute la régie, toute l'installation, vraiment toutes les coulisses. Vous verrez ce qu'il y a sur la piste, et là tous ceux qui vont travailler pour avoir le rendu au top, c'est ici, c'est la régie, c'est des câbles de partout, c'est des ingénieurs de partout, le son, la vidéo, les cadreurs, les preneurs de son. Ok, j'ai gagné. Non, les écrans sont éteints, hein, je fais juste semblant, mais là, les 20 concurrents, ils vont être tellement bien placés. Je pense qu'ils vont avoir la pression, hein, parce qu'un setup comme ça, c'est du jamais vu. Mais ils sont bien. Regarde,
position totalement F1, allongé dans le baquet. Les plissites sont totalement adaptables. Le fauteuil qui s'avance, qui se recule, le volant aussi. Ils vont avoir la pression, mais ils vont être bien. Ils vont être très, très bien. Je vais être bien parce que je vais faire aussi une course. Je vais faire le All-Star. J'espère le podium. Quand il fait plus de 24 degrés avec du soleil, moi, c'est je cuis, quoi. Regarde-moi ça, on dirait un cycliste. Non, pas tout à fait, un peu pire. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, en tout cas, je pars pas dernier, je vais essayer de garder cette place. Sur un malentendu, ça peut passer. Nous, on est moins stressés, je pense, que les pros, là. Enfin, les pilotes, là, qui... Il y a un cash prize, il y a un truc à aller chercher. Je pense que ça va quand même être compliqué, on verra. En tout cas, là, je peux pas dire. Je suis dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de parasol là. On reste au soleil comme ça et on va mourir. Quoi qu'il arrive, grille de départ ou pas, on joue en chaussettes, c'est ça qui compte. Gota, qu'est-ce que tu nous fais la 8ème place là? Un parasol m'a fait sortir de la course, voilà. J'aurais tellement aimé que Hamilton dise ça hier. Non mais le parasol. Désolé, t'es trop loin, je t'entends plus. Mais il y a un nouveau joueur qui est en train de se ramener, mais qui c'est? Qui c'est? Dwagby! Dwagby qui est en train d'arriver! Non. Deux secondes 6, ça va. Putain, Dwag, t'es chaud en vrai. T'as quand même sur Gota Yann, là, ça se passe. Oh, et Bouzy! Bravo Bouzy! Ouais! C'est un champion! Bravo! Yes! Ah, il jouait? Je suis une grande fan de Formule 1, donc juste être là sur les stands, c'est vraiment une première. Bah, tout à l'heure, je récupérais des petits bouts de gomme dans les stands. Moi, j'ai essayé de me qualifier à la Gotagashi Race, mais bon, il y a un niveau qui est assez stratosphérique comparé au mien. Après, j'ai mon coach qui est qualifié. Prochaine édition, peut-être que je conduirai ici, enfin ici ou en Autriche par exemple. À la prochaine. Alors déjà, je m'installe dans le baquet. Le baquet, c'est le truc playsite là. C'est pas, je commence à avoir une crampe au doigt de pied. Ah, salut Del Piello, ça va ou quoi? Del Piello. Ah ouais? Mais ça fait deux jours, je te dis Del Piello. Je dis même Del, wesh. Ah ouais? Ouais. Moi, je vais aller me décroter les oreilles. En tout cas, crampe au doigt de pied. J'enlève ma chaussure. Je re-appuie sur la pédale. Re-crampe au pied. Je remets ma chaussure. Je rigole avec mes concurrents pour leur montrer que tout va bien. Je débranche la radio et j'accélère. Après, j'ai remis le mode anti-patinage. J'ai trop bombardé. Ça montre à tout le monde. Je me suis fait vla les potes dans le F1 Gaming Racing, tu vois. C'est-à-dire, je vais jamais être sans amis pour jouer. Tout le monde va me respecter. Mission accomplie. Karmine Corp, que la win. J'attends ma médaille. J'espère ils en ont prévu. J'aime trop le fair play de l'automobilisme. Le volume est... Et rendez-vous au premier virage. Yes. Let's go. Et il est très très proche le premier virage, hein. L'épingle de la source. Là derrière, faut faire gaffe. Ah ouais, j'étais sûr. Aïe. C'était sûr. Dis-lui d'accélérer. Allez, accélère. Et ça y est, c'est fait. Alors, le passage de la ligne. Attends. 30, attends, la pénalité qui va se rajouter peut-être. Et oui, il passe devant. Il passe devant. Victoire de Alcurdi. 25 puntos. Et alors là, j'ai hâte de voir le général. Ça, c'est sûr qu'il monte sur le podium, Alcurdi. Maintenant, c'est savoir s'il est 3 ou 2e. Ouais, le soulagement énorme. Forcément. Il est là, le vainqueur de la Gotagashi Race. Il sait qu'il a gagné. T'imagines ce qu'il vit là. Il vient de gagner 15 000 euros. Il est c'est en super. Direct là, la nuit super. Commence à tomber. Il est en direct. Je t'envoie du GG, mon gars, à mort. Bravo. Il y a tout le chat qui dit GG. Ah ouais, bravo. Dwagby, tu es avec le vainqueur du jour. Effectivement, je suis avec Revitalize actuellement, qui très très bien géré de manière générale tout son GP. Hein. Tu viens ici, tu nous fais une masterclass avec une deuxième position en Autriche, première position en Belgique. Et là, au Castellet, tu finis en beauté pour assurer au moins ta première place au général. Comment tu fais pour avoir autant de régularité par rapport aux autres? Je vais pas te mentir, j'ai senti beaucoup de pression. Je me suis quand même bien préparé avant de venir ici. J'étais confiant sur les trois circuits. J'étais vraiment focus du début à la fin. J'ai pris un très bon départ et de là, j'ai pris confiance au fur et à mesure. Oui, effectivement, une course encore une fois très très bien gérée. C'est complètement dingue. Je réalise même pas ce qui m'arrive. Donc franchement, je suis très très chanceux et je remercie toute l'équipe de Kotaga pour avoir organisé cette course. Et voilà, je suis très très content. Oh,
Ça y est, c'est la fin de la Gotaga Shift Race. Et bien sûr, pour avoir le mot de la fin, quoi de mieux que Dwagby, l'animateur aux mille et un talents. Et bien évidemment, Gotaga Shift Race. Bien sûr, on est avec Coco. Donc tout à l'heure, en live, quand on l'a fait en live, Dwagby avait demandé, mais ça t'est venu d'où cette idée, Gota? Tu me connais, j'ai envie de faire plein de projets. Et du coup, on a fait le Gotaga Show, le truc à la Tour Eiffel, etc. Mais en ce moment, c'est très dur d'avoir des jeux, c'est très dur de vouloir organiser des choses, à moins que tu copies Zerator et que tu fasses un autre The Event. Mais bon, salut d'ailleurs Zera, qui m'a beaucoup inspiré justement pour faire plein d'events. C'est super motivant et c'est un peu un peu le credo, tu vois, et du coup ta motivation quand tu te lèves tous les matins, donc c'est cool. Et puis bah forcément Red Bull, je travaille avec eux depuis super longtemps, ils sont très impliqués dans la F1. Nous on avait commencé à être piqués justement avec les lives avec Tony Parker par F1 2020, et du coup c'est venu comme ça, on a pensé à faire ce genre d'organisation. Est-ce que tu le fais spécialement pour les pros? Est-ce que du coup tu fais un circuit un peu plus amateur? Comment ça se passe? Est-ce qu'à la fin on peut imaginer peut-être de louer entre guillemets un circuit tu vois, c'était très ambitieux. C'est en mode non, jamais ça arrivera, non, jamais on pourra. Et au final, bah, on est là en train de faire une petite interview en plein milieu du circuit Paul Ricard, le GP de France. Voilà, avec plein de gens heureux, je pense, j'espère, qui ont vécu une expérience incroyable. Même toi, Yannou, ton premier GP. Merci à vous deux d'ailleurs de m'avoir accompagné, c'était incroyable. Merci à tous aussi pour le soutien. Vous étiez 50K sur le live toute la soirée, fans de F1 ou non. Et j'espère que vous avez vécu un événement incroyable à nos côtés. Voilà. Comme le disait Gotaga, je vais rebondir dessus, il sait très très bien s'entourer. Et le lundi soir, il est entouré par, franchement, le meilleur. Moi, il m'a scié. Honnêtement, il m'a scié. C'est la première fois que je travaille avec lui sur un événement comme ça. C'est vraiment, il m'a scié. Et je voulais aussi que Dwagby donne son ressenti pour ce mot de la fin. C'est vrai que la vraie difficulté, c'était d'arriver à satisfaire tout le monde. Que ce soit l'expérience des qualifiés, l'expérience des viewers, mais aussi l'expérience des VIP, qui eux sont des experts du stream game, donc ont besoin d'un certain confort et de l'espace pour pouvoir parler. Et en même temps, nous-mêmes, parce que si on n'est pas satisfait nous-mêmes, on n'aime pas présenter des choses. On se reconnaît avec Gotha là-dessus. On s'était un peu entraîné avec le Gotha Gone Tour, qui nous avait permis un peu de voir tout ça, et je trouve qu'on s'améliore. Et ça qui fait plaisir, du coup, ça donne encore envie de refaire des choses pour voir jusqu'où ça peut aller, toutes ces conneries, parce qu'en vrai, il est juste malade ce mec, et bon, on essaye de le suivre, quoi, c'est tout. Merci beaucoup, et donc là c'était le mot de la fin. Moi personnellement, je vais remercier bien évidemment Gotaga, je remercie Dwagby, je remercie toute l'organisation. Merci beaucoup à Red Bull aussi de m'avoir fait confiance pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié toutes les coulisses et tout ce qui s'est passé sur cet event. Je vais juste remettre le micro à Gotaga et je vais marcher là-bas, loin. Tout simplement. Oh non, on sent l'émotion, on sent le... Oh là là, regardez le partir. Il a été très bon, il a été très bon d'ailleurs. On se retrouve aussi en Autriche pour faire de la F4. Non mais merci à tous, un grand merci à Red Bull. Attends, il est pas assez loin encore. Ouais, tranquille. Il la prendra dans la vidéo. Lui dis pas, il est trop heureux pour l'instant. Laisse-moi. Ouais. Vas-y, continue, fais le tour, 6 km si tu veux faire le tour. Un gros bisou à tous et à la prochaine pour un prochain événement tout simplement. Tchuss. Je me suis écrasé avant les stands. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis écrasé dans les stands. J'ai explosé tous les roseaux, tout. Y a plus rien là-bas, aucune plante. En seconde. C'est mon style. Là, c'est dur, hein. Non mais les gars, j'ai aucune aide, j'ai rien. Ah bah alors.